Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la LCM 101 nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc déjà, je vais vous montrer le luminaire. Comme ça. Enfin bon, je pense déjà faire comme dans la précédente vidéo, vous montrer le luminaire en caméra libre. Comme ça, vous voyez un peu le travail qui a été fait dessus. Et vous verrez le luminaire complet parce que c'est assez compliqué pour moi de faire un support assez haut pour pouvoir vous montrer le luminaire en entier parce que le luminaire, il fait 1m3. Donc, c'est un luminaire qui est vraiment énorme. Donc là, déjà, on va passer sur la partie mobile où je vous montre un peu le luminaire de tous les côtés. Et pour les détails, bah, genre l'intérieur, le bloc appareillage et ce genre de trucs, je repasserai en mode fixe comme ici. Donc finalement, comme dans la précédente vidéo où je vous ai montré ce luminaire sale. Bref, de blabla, on commence. Voici le luminaire. Donc là, le luminaire, il a entièrement été nettoyé. Il y a la couleur d'origine qui est réapparue. Et comme je vous ai dit, là, j'ai poli le métal pour le faire en gris. Donc, de ce côté, la peinture, elle est encore pas mal présente. Mais je crois que de ce côté, elle est un peu moins. Mais elle est encore là. Donc déjà, la particularité, c'est ça. On peut voir qu'il y a deux lampes. Voilà. Donc vous pouvez vous imaginer que j'ai réussi à caser deux ballasts, deux condos, deux amorceurs là-dedans. J'ai juste pas pu mettre le bornier. Enfin, le porte-fusil, mais j'avais plus de place. Donc là, il y a le luminaire en double lampe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça rend vraiment bien. C'est vraiment stylé. Sur la porte, il y a écrit Eclatech LCM 101. Comme vous pouvez le voir, donc le bouton pour ouvrir le capot. L'abri de fixation où j'ai retiré le mât, j'ai retiré l'ancien câble. J'ai mis un nouveau câble qui est vraiment long pour le coup. Parce que d'habitude, ils sont plus courts. Donc là, j'en ai trouvé un assez long. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a ce côté-là. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, la peinture, elle s'est un peu barrée. Voilà, on a l'arrière, enfin le derrière. Ensuite, là, on a devant. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un peu l'arrière. Donc, je reviens, je vais tourner le luminaire autrement. Et voici l'arrière. Donc, le luminaire, il est vraiment en très, très bon état. Enfin, bon, j'ai vraiment eu du mal à nettoyer tout ça, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Là, j'ai laissé parce qu'on a de la peinture d'origine. Ici aussi. Donc, la peinture d'origine, je ne l'ai pas trop enlevée. Eclatech LCM 101. Dans les vis, j'ai aussi nettoyé. Enfin bon, j'ai entièrement démonté le luminaire. Je l'ai démonté intégralement pour faire un nettoyage qui est vraiment propre. Donc ça rend vraiment bien. Hop, donc là, il est vraiment en bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, maintenant, on va passer en vidéo fixe. Donc je vais un peu vous montrer l'intérieur et tout le schmilblick. Hein, donc je reviens. Ok, donc me revoilà. Donc le luminaire, il est vraiment lourd. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai remis un joint ici tout autour et vous pouvez encore voir du scotch noir là. Tout simplement parce que j'ai essayé de l'enlever, mais il y a une partie qui s'enlève, il s'est caillé. Et la partie adhésive, bah, elle est imprégnée dans la vasque, donc j'arriverai jamais à l'enlever ça. De toute façon, la vasque, elle est morte, donc je m'en fous un peu. Hop. Donc, le luminaire, il est vraiment lourd au niveau du bloc, hein. C'est un truc de fou. Donc déjà, on va ouvrir le luminaire. Donc déjà, il faut appuyer là. Ça ouvre la porte. Voilà, donc un système de ressort. Et ensuite, il faut déboîter. Et voilà, donc j'ai réparé la vasque. Comme vous pouvez voir, l'intérieur, il est vraiment propre. J'ai tout bien refait, nickel. J'ai tout démonté, j'ai tout remonté. Et ici, on a l'intérieur du luminaire, comme vous pouvez voir. Alors donc, déjà, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai fait. Déjà, il faut chercher les pièces. Déjà, là, on a la douille d'origine que j'ai valsée. Là-dedans, on a encore les deux vis. Voilà, donc là, on a les deux vis qui se mettent sur ces vis-là. D'ailleurs, je vais le faire. Clac. Clac. Et ensuite, ça vient se mettre par-dessus. Donc, je me suis pas embêté à nettoyer
la douille. Donc là, normalement, non, je vais pas rayer le réflecteur, c'est bon. Hop, donc là, je mets la deuxième. Voilà, donc ça, je le mets de côté. C'est la douille d'origine. Donc, j'ai rien percé, rien fait de... J'ai juste dû percer un trou pour le ballast. Donc, j'ai quand même dû percer un trou. Voilà, parce que ça m'embêtait de le mettre un peu de traviole et d'adapter tout un truc. Au lieu que de percer un trou, c'était beaucoup plus simple. J'en ai juste percé un, donc un, ça me dérange pas trop. Donc là, vous vous dites, allez, c'est bien beau, tous ces câbles-là, il y en a 4. Eh bien, je les ai fait passer là où il y a le filtre. Donc j'ai retiré le filtre à charbon, pour aérer le truc, quoi. Et ben, j'ai mis un pressé-tube dessus. Hop. Du coup, j'ai pas agrandi le trou, j'ai ni percé de trou. Donc, il va tout pile dedans. Là, le pressé-tube là, que j'ai mis, là, il y a un filtre, normalement. Et normalement, la sortie des fils d'origine, bah, c'est là. C'est comme sur les EPA. On a un petit rond noir, on passe les deux fils. Mais bon, comme j'ai modifié le luminaire, parce que ça, c'est moi qui l'a fait. Le double lampe. Donc là, on peut voir le support double lampe que j'ai fait moi-même. Tac. D'ailleurs, les lampes, elles sont un peu desserrées. Voilà. Le réflecteur amovible. Mais bon, là, pour le démonter, c'est le gros bordel. Donc à l'arrière, il est propre. Je l'ai entièrement nettoyé. Je sais pas si on le verra, mais voilà, je l'ai entièrement nettoyé, hein. C'est pas pour faire cache-misère, mais là je peux vraiment pas le démonter. C'est beaucoup trop long à démonter. Et le bloc appareillage, il pèse 1 tonne, donc pour le sortir c'est aussi le gros bordel. Donc là je vais vous montrer le bloc. Donc aussi les lampes, il y a la lampe d'origine qu'il y avait dedans, plus une des miennes que j'avais en stock. Donc elle est sale. Enfin bref. Ça, c'est pas grave, elle est pas trop grave. Donc déjà, pour démonter le bloc, pour pas faire la même connerie que dans la précédente vidéo, on va tout de suite ouvrir ces trucs. Et ensuite, il faut tirer dessus, mais bon, j'ai trouvé un moyen plus simple d'ouvrir avec des outils. Il suffit juste de faire levier dessus. Clac. Et clac. Comme ceci. Ouais, donc dès qu'il y a un côté qui est déboîté, l'autre c'est un peu plus compliqué. Donc là c'est déboîté. Hop, donc là on a le bloc que je vais retirer. Donc c'est un peu la merde à retirer parce que ça n'a pas été conçu pour ça à la base. Surtout pour le sortir, c'est la merde. Voilà. Là on a tout le bloc. Se barre. Donc là je pense que je vais passer en caméra libre pour vous le montrer un peu plus en détail, parce que là vous êtes un peu loin du truc, enfin quoique ça devrait aller. Alors donc déjà je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait là. Là j'ai mis 2 ballasts, voilà, 2 appareillages. Donc le truc il est vraiment lourd, les 2 amorceurs que j'ai mis là. Bon, enfin bref, je vais vous montrer ça un peu plus en détail, je reviens. Voilà, donc ce sera plus simple comme ça. Donc là, on a les 2 condos d'origine que j'ai conservés. J'ai mis un wagon 5 trous, comme ça, bah, il y a à chaque fois les 2 paires. Donc ça, c'est un condo, ça, c'est l'autre condo. Donc j'ai conservé tout d'origine, hein, même la petite gaine qu'il y avait autour des fils, hein, c'est d'origine. Donc là, je voulais aussi en mettre une, mais j'en avais plus, donc j'ai mis des rilles en, histoire de faire ça un peu plus proprement. Le pressé-toupe, donc il tombe un peu dans le trou parce qu'il est un tout petit peu plus grand, mais ça tient. Là on a tout l'intérieur, donc là je vais peut-être mieux pouvoir vous montrer le réflecteur. Ouais, donc voilà, là il est vraiment propre, hein, comme vous pouvez le voir. Tac. Donc là il se déboîte ici, hein. C'est pour ça qu'il bouge comme ça. Tiens, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vais démonter ça. Ouais, donc ça je le ferai après si j'y pense. Là, les condos, là, j'ai fabriqué un support pour mettre les 2 amorceurs. Parce que ça, je savais vraiment pas comment faire pour mettre 2 amorceurs. Mais finalement, c'est rentré entre la poignée et le bloc appareillage. J'ai fabriqué ce truc-là. Donc, le seul bricolage sur ce bloc, c'est ça. Ce bornier, je l'ai collé avec une colle super forte. Donc, il résiste à la chaleur et tout. Donc, ça se barrera plus. Ça, il n'y a pas de souci. Celui-là, il tient.
Les deux condos là, les deux amorceurs de ce côté, la mise à la terre qui va de là à là, ce qui sert presque à rien. Enfin si, quand même, c'est quand même l'alimentation principale de la terre, donc j'avais plus de coche plus petite, donc j'ai fait en 6 mm carrés et je repars en 0,75. Enfin bref, ça c'est aussi un petit bricolage. Donc là, j'ai pas raccourci les fils de l'amorceur parce que on peut pas changer les fils. Donc du coup, s'il y a un amorceur que je veux retirer pour je sais pas quelle raison, ben les fils ils seront pas trop courts. Hop, donc là on a les deux condos. Ça fait la troisième fois que je vous le dis. Ensuite ici on a les deux ballasts. Ouais, donc c'est vraiment le bordel quand on peut pas enlever les fils qui vont de la lampe, enfin du réflecteur au ballast. Donc on a presque deux fois le même ballast. Là on a un ballast avec des bornes noires et là avec des bornes blanches. Ici on a un BSN 250 et ici on a un RSN 250. Donc c'est deux fois le même modèle mais de générations différentes. Hop, on a tout le câblage du schmilblick. Donc il y a tout qui rentre ici pour passer de l'autre côté de la platine. Ici on a encore les deux fils de lampe là, qui sortent de ce côté-là. Juste ici. Voilà. Je sais pas pourquoi je les ai fait sortir là, mais voilà, donc c'est le câble d'alim qui est trop court. Là, on a les fils qui reviennent par là, qui vont sur les appareillages. Donc au début, c'était galère de faire fonctionner deux lampes parce que je me suis planté au niveau du câblage. Du coup, quand on branchait, soit il y en avait qu'une, soit que l'autre. Une chance sur 10 qu'il y avait les deux qui s'allumaient. Tout simplement parce que j'ai inversé le fil. Enfin, j'ai pas vraiment inversé des fils, mais j'ai juste inversé un fil sur les deux ballasts. Genre l'amorceur, il y a le neutre en commun. On a le truc jaune pour la haute tension et le truc blanc pour le témoin, je pense, de fonctionnement de la lampe pour que l'amorceur il essaye pas d'amorcer la lampe à chaque fois. Parce qu'il y aura de la tension qui sera tirée de là-dessus. Du coup, quand ce fil, bah, celui-là, il était branché là-dessus. Et celui-là de l'autre amorceur, il était branché sur l'autre. Donc du coup, le truc, ça marchait que sur un seul amorceur. Enfin bref, c'était vraiment le gros bordel. Donc c'était une petite panne de ma part parce que j'avais inversé deux fils. Tac, donc là maintenant ça fonctionne hein, correctement, il n'y a pas de souci au niveau de fonctionnement. Hop, donc là, ouais, donc là j'ai un peu fait de la merde. Alors, donc là on peut voir la terre que j'ai, la terre d'origine hein, qui normalement se raccorde sur la platine. Mais moi je l'ai raccordé sur le truc de lampe là, donc ça sert à rien, je voulais juste conserver le truc d'origine et je savais pas le foutre. Parce que le brancher sur la platine, il était trop court et je voulais pas le rallonger. Du coup, voilà. Donc là, on a le joint d'origine que j'ai recollé aussi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais remonter. Enfin, déjà, je vais tout remettre en place ici, sur le support. Et je vais continuer la vidéo en mode fixe. Donc, je reviens, je vais faire ça. Ok. Donc là, maintenant, on va remonter tout le bloc. Déjà, il faut ramener le luminaire par là. Il faut prendre ça comme ça. Et il faut mettre ça ici. Là, ouais, c'est pas du tout adapté pour deux lampes. Clac et clac. Donc là, il est verrouillé. J'ai pas coincé de câble ou de fil, ça c'est bon. Du coup, je peux remettre les trucs, les blocages, voilà, ça c'est en place. Donc là maintenant il reste plus qu'à envoyer la patate. Donc je remets pas le capot à cause de la vasque parce que ça chauffe salement bien ce truc. Normal, il y a deux lampes. Donc là maintenant je vais envoyer la patate. Enfin déjà je vais vous montrer le réflecteur, j'ai failli oublier. Donc là on a juste le petit ergot qui rentre dans un clips comme exactement le pareil que pour le bloc, le même système. Voilà. Là on pourrait l'enlever si on enlève les douilles. Là on enlève les douilles et puis on pourrait le retirer. Mais là c'est vraiment impossible à démonter. Parce qu'il y a les douilles qui sont plus larges que le carré pour sortir, il faudrait faire tout un truc. Donc je vais éviter de le démonter.
Donc là maintenant on va envoyer la patate dessus. Donc je vais brancher. J'envoie la patate. 3, 2, 1. Et voilà, donc ça s'allume très très rapidement. Donc il y a un ballast aussi qui est mal vissé, qui fait tout vibrer. Donc là, je crois que je vais repasser en caméra libre comme je vous ai montré le luminaire juste avant, parce que là c'est un bordel pas possible, vous voyez rien. Donc je reviens, je vais faire ça. Voilà, comme ça, ce sera plus simple pour vous et pour moi. Donc là, je vais brancher le luminaire. Et voilà. On a les deux appareillages qui sont là en dessous. D'ailleurs, on entend bien. Voilà, je pense que là vous avez entendu le bruit du ballast. Donc c'est vraiment sympa en bilamp, hein. Donc c'est mon premier bilamp. Donc j'avais déjà fait une EPA 250 en bilamp. Mais bon, le bloc appareillage et tout, c'était pas conçu pour, donc je l'ai dégagé. Et bon, celle-là, de toute façon, je l'ai plus, je l'ai refilé à Mathéo. Du coup, bah là, il me reste des PA 250 en BF 250. Enfin bref, on est sur ce luminaire-là. Donc là, voilà, donc le luminaire en état de marche, donc double, double 250 watts. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc le bloc appareillage, je suis assez satisfait. J'ai vraiment bien tout casé, c'est propre, c'est bien fait. C'est pas juste jeté dedans comme à l'origine où il y a l'appareillage qui se promène dedans. Voilà, donc là, bah, je vais remettre le. Déjà, je vais éteindre. Donc je sais, c'est pas bon de débrancher alors que ce que j'ai à peine branché, mais bon. Donc il y a aussi une lampe qui tombe, donc celle-là, je vais la remettre droite. C'est juste les douilles en fait qui sont. Elles sont bien serrées, c'est pas le souci. Mais c'est juste. Les douilles en fonction de comment on serre les lampes dedans, bah ça fait de la merde. Là, de toute façon, mais là, celle-là, elle est vraiment. Elle est encore chaude, donc j'ai pas trop envie de me cramer les mains. Je ferai ça après. Donc là, je vais remettre le capot. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à fermer. Et voilà. Donc là, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo. Ah, voilà. Ah bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!